Allez, monte. T'es obligé de baver sur mes lunettes. Il a bavé sur tes lunettes. Ouais. Pour une fois que tu fais baver quelqu'un. Oh, oh, t'es sérieux? Oh, les clés dans le cul, c'était vraiment pas ouf par contre ça. Non mais t'es bizarre toi, Annie. T'es droitière et tu fais ça comme ça. Tiens le monstre. Putain, ma chemise. Oui, oui. Putain, il m'a mis un coup de boule. Et ça, on va en vouloir encore. C'est bon, on a la forêt pour ça. L'eau, c'est pas gratuit, frère. Ah, pourquoi tu te jettes par terre? J'avoue. Ah ouais, McDo, ah j'avais oublié ça. Ah, comment j'ai pu oublier? Attends, mais c'est, je te rappelle que t'es là que pour ça, toi, déjà, de base. Eh, je suis venue avec ton truc de déménagement, alors, hein. Quel déménagement? On allait visiter un appart, Ni. Ouais. T'as juste regardé, littéralement, et pris des photos. On est en vacances, je me suis réveillé à 8h. Ouah, super. Ouah, quel menteau, c'est moi qui me suis levé à 8h déjà. Toi, tu t'es rien levé à 8h. Avant que la vidéo ne commence, je vais quand même répéter ce que je devrais pas répéter à chaque fois. Mais bon, à chaque fois en commentaire, ça me saoule de voir ça. Vous allez voir Kenny manger des trucs qui sont réputés pour ne pas être bons pour les chiens. Et certains vont dire, ah, c'est poison, c'est poison. Écoutez, je connais ces choses-là. La seule chose que je tiens à vous dire, c'est que si vous regardez la vidéo, il mange que dalle. C'est une vidéo dégustation à plusieurs, là pour qu'on sera trois, mais il mange que dalle, ça lui fera rien. Et si ça lui faisait quelque chose, je l'aurais déjà vu depuis le temps quand même. Ça fait quelques mois que je fais des vidéos en voiture comme ça. Voilà, vous voyez, vous faites pleurer mon chien. Aussi, si vous le voyez faire, c'est parce qu'il est excité. C'est pas forcément parce qu'il fait 40 degrés. Merci de ne pas prendre ça en compte. Ou enfin, de moins ne pas me faire chier. Ah oui, d'ailleurs, c'est le Kevin du futur de dans 5 minutes de la vidéo. Pensez à liker, commenter et partager à fond la vidéo, les potes. La dernière vidéo en voiture, elle a fait un bon tabac. T'as vu, genre une bonne clope. Non, voilà, je fais pas souvent des vidéos. Je vais bientôt être endetté à vie. Donc, si vous pouvez m'aider à partager les vidéos, ça ferait super plaisir. Je viens de te taper dans les oreilles, excuse-moi. Et pensez à me follow sur Instagram aussi. Le lien est dans la description, tout ça. Voilà, soutenez à mort la chaîne. On s'en sortira, les gars. A tout de suite dans le futur. Je préfère ton quartier qu'ici, en fait. De quoi? Je préfère ton quartier qu'ici. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est... En fait, avec ma soeur, on a visité un appart ce matin et elle est persuadée que j'habite déjà là-bas. C'est quoi? C'est toi qui dis moi à chaque fois. Oui, mais parce que je me projette. Mais toi, pourquoi tu me projettes moi là-bas? Parce que tu m'as habitué à te projeter toi-même. Ouais, je vais te projeter contre la vitre, moi, tu vas voir. Vous avez pu voir aujourd'hui, la petite soeur est en présentiel. J'ai parlé comme un lycée, comme un CPE. Un CE, ouais. Surveillant. Par contre, j'ai l'impression que la lumière sur la caméra, je suis vraiment désolé. Faudrait que je pense à trouver une sorte de cache pour empêcher que la lumière elle tape directement dans l'objectif de la mini caméra. Attends, en vrai de vrai, on a un masque là. Jette-le après alors. Oui, non, mais je le jetterai. Mais si je fais comme ça. Bon, si vous voyez, du coup, un truc au-dessus de l'écran, c'est un masque. Mais au moins, il n'y a pas de soleil. Le compromis est plutôt équitable. Là, il se couche dès le début quand même. Oui, mais Kenny, encore une fois, si tu te couches comme ça, tu te coupes la respiration. Donc tu. Il a fait un bruit de cochon carrément. Ah, il m'a bavé. Tiens, chien, le karma, tiens. T'oublies, t'as les deux chiens de la famille. Enfin, je veux dire, les deux gars de la famille qui sont là contre toi. Hein. Triple cheese, n'oublie pas. Avec une glace sundae aussi, c'est bon. Oh, ta gueule, on part à ça, en forêt. L'autre, le... D'abord, on va en forêt, on va dépenser le chien. Oh, tout petit chiot. Oh, le vieux avec le chiot, il était trop mignon. Par contre, c'est chaud, les vieux, comme ils ont le dos courbé, comme ça, là. On dirait des tortues, là. On dirait Franklin. Oh, Franklin. Tu l'as encore, le nounours, hein? Ouais, non, je me souviens des DVD que tu me faisais mater. Est-ce que t'étais fan de Franklin quand t'étais petite, là? Ah bon, c'était pas toi? Non, mais non, C'était toi, frère. En plus, les films Franklin, qu'est-ce qu'ils sont badants. Oh là là. Ah, je m'en souviens pas d'avoir aimé Franklin à ce point. Ah si, si, tu m'as cassé les couilles avec Franklin. J'avais pour Dora, mais pas pour Franklin. Dora et Franklin. Ah, mais c'était pas à toi, nounours Franklin, là? Non, c'était à toi, meuf. Moi, j'ai joué. J'ai joué avec parce qu'il était cool. Je m'amusais à lui faire pipi. Ah ouais, parce que ouais, je m'amusais à lui pisser dessus, donc. Quoi? Non, mais c'est ce que t'allais dire, toi. Ouais, ouais. Mais t'es bête, toi. On est frères et sœurs, mais pas la même connexion au cerveau, apparemment. Hein. Mais qu'est-ce que c'est fou? Oh, il est encore, il est encore enlevé. Il est encore enlevé. Oh putain. Oh là 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 là, mais pourquoi chaque vidéo il y a toujours une galère comme ça? Moi j'en ai marre. Je veux faire une vidéo tranquille. C'est pas amusant si c'est tranquille. Ouais bah ouais, clairement pas. Qu'est-ce qu'on s'amuse, dis donc. Mais oui, mais t'as vu quand tu t'es accroché aussi, espèce de débile. Oh là là. Non, parce que la dernière fois quand je suis rentré, j'ai lavé la voiture un peu pour ses poils. Il y en avait beaucoup trop. Il avait arraché la protection, ce débile. J'ai envie de vomir. Pourquoi? Sérieux? Ouais, non mais je rigole, mais enfin non, je rigole pas, mais ça va. Comment ça, envie de vomir, frère, on est en ligne droite? Mais depuis quand t'es malade en voiture, toi? Quand je regarde pas la route, bah oui. Oh là là là, mais quelle famille de déglinguer entre un chien attardé, une fille bizarre. Oh c'est toi qui dis ça, t'avais toujours la nausée. En plus, je devais prendre une belle fiche médicale. Mais moi, je l'ai plus. Moi, je suis plus malade en voiture. Mais je suis pas malade. Oh, il y a des ânes. Mais reste concentré, toi. Il y a combien d'ânes dans cette ville là? C'est une maison? C'est pas une maison, c'est un château, Sani. C'est un domaine. Si ça, c'est les murs de la maison, il y a un problème. On peut y rentrer? Bah non, c'est privé. Ah. Bah tu peux y rentrer, hein, mais après, si le mec il a un fusil, c'est tant pis pour ta gueule. Hein. Je pense pas, on n'est pas en Amérique. Non mais t'es con ou quoi? Tu crois vraiment que les gens ils ont pas des fusils, ni? On a le droit?
Bah oui, il y en a, ils ont. Non, ils en ont pas le droit, mais il y en a, ils l'ont forcément. Mais toi, en fait, tu vis dans un monde de bisounours, tu crois que tout le monde respecte la loi, genre. Genre, il y a des meurtres au couteau, au fusil, au pistolet partout en France, mais pour toi, c'est. Bah non, c'est pas possible, c'est illégal, enfant. C'est sûr, tu pourras prendre le chien au panier, parce que moi, je vais à une soirée. Ouais. Ok. Ah, tu m'abandonnes? Ouais. Cool. T'es lunatique, toi, un peu, non? Quoi, tu m'abandonnes? Ok, cool. Faut pas que je crie parce que ça sature dans le micro après, et moi, au montage, ça fait mal aux oreilles. Moi, j'ai mal aux oreilles là. Non, mais toi, c'est pas grave, c'est tes oreilles, c'est ta tête là. Tu montais aux arbres quand t'étais petit? Non. Parce que j'étais trop petit. Et t'étais trop gros aussi. Oui. T'es vraiment une bâtarde, comment t'as lâché ça normal, genre? Ah ouais, ça veut sniper son ref, vas-y. Hein. La main devant la bouche, c'est pour les chiens. Et la main dans ta gueule, tu la veux? A tout de suite. Ah ouais, mais il s'est couché. Il va stand-up, t'inquiète. Il va stand-up, il a pas le choix, s'il a soif. T'as vu? Voilà, évidemment, désolé, Ni. Vas-y, donne-lui. Et moi, j'en peux pas? Les hommes d'abord. Il est torse nu, lui. Il fait de la marche rapide. Comme dans Malcolm. Comme dans Malcolm, exactement. Sauf que lui, il était torse nu. Non, mais pourquoi tu vas en forêt pour faire de la marche rapide? C'est vraiment un sport de merde. Il s'est allongé, le chien. Derrière toi. Ouais. Il est tellement mort. Ça pue le chien mouillé un peu, là. Ouais, c'est toi. Ça se voit qu'elle commence à prendre beaucoup trop de moi, là, la petite, là. Quoi? L'autre, elle parle plus que en onomatopée, genre. T'es vraiment en vrai, dans ta tête, t'es une streameuse pourrie, genre. Tu commentes tout ce qui bouge. J'adore le chien, comme il est toujours sur ton dossier quand il est mort comme ça. Là, on est dans la vieille France, laisse tomber, quoi. Médiéval. Mais t'es une Vietnam, t'allais dire. Bon, il est couché, le chien, il est trop mignon. Mettez-moi ce con, là. Pourquoi il est pas comme ça tout le temps, lui? Ce serait bien qu'il soit comme ça à l'aller. Ouais. On m'a appelé. Putain, ouais. Je sais pas si vous le voyez autour, mais on est entouré de champs, quoi. Tu crois qu'il est là, Didier? Didier Deschamps. Ouais, elle était bien, la blague. Hein. Elle était bien, la blague, ouais. T'es mal, la meuf, la grosse Michelot, déjà, là. Oula. Restez sur ta voie. Plus le temps passe, et plus Kenny se couche facilement, et plus longtemps aussi. Ça, c'est cool. C'est plus facile de coucher Kenny que de coucher avec une meuf, dis donc. Ça, je m'y attendais pas. Il est mort ou vous? Oh, on a un chien. Il fait aucun bruit quand il respire. Ouais, vérifie qu'il respire quand même. Oui, il respire. Ah, là, oui. Ça, c'est notre chien. On dirait pas trop les enfants qui faisaient semblant de se noyer dans l'eau, tu sais, genre rester sous l'eau et ils sortent. Hé, hey, je ne suis pas mort en fait. Il est où le McDo? Il est là, rien. T'as vraiment regardé, t'as vraiment cherché fort en plus, mais t'es trop conne. Il est là. Ah oui, je crois que quand j'étais petit, je me demandais pourquoi ça s'appelait Naruto et pas Naruto. Tu vois, ça c'est du divertissement, mais c'est tellement con. Naruto sauce salée, Kun. Naruto et sauce salée, au lieu de Naruto et Sasuke. Ça fait mal. Ouais. Tu sais, il est déjà ici qu'on va commander, il reconnaît là. Tu te poses où pour manger en général? Bah, je te l'ai dit, au Pickwick Toys. Ah. J'en étais sûr. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je voudrais un menu Maxi Best of McChicken, oui. Frites Coca Zero, un autre menu, un menu Maxi Best of Triple Cheese. On n'a pas de Triple Cheese. Tu veux quoi, Big Mac? Ouais. Bah, Maxi Best of Big Mac alors. Un sundae caramel et un McFlurry d'un caramel, s'il vous plaît. Ça vous fera 21,25 avec le prochain cliché, merci. D'accord, pas de soucis, merci à vous. Allez. Bah, je viens de te dire bonne journée, oui. Quand tu me dis au revoir, alors que j'ai déjà dit au revoir. De toute façon, avec ton vieux estomac pourri là. L'hôtel fait la malinoise, sundae, burger, frites. Ah, mais je mange tout, hein. Ma couille, ouais. Sauf les frites. Là, c'est pour ça qu'on est frères et sœurs, mais pas surtout, tu vois. Moi, je suis réussi. Toi, t'es raté. Ah bon, la bonne blague? Ouais, la bonne blague. Mmh. Ah ouais, bah en tout cas, c'est moi qui ai toute la répartie. Hein. Toi, t'es juste parti là-bas, toi. Mes lunettes, idiot, ça fait mal. Ah, excuse-moi. Ma tête, bah, idiot, ça fait mal. Ah. C'est vraiment ridicule, on a un masque en papier sur la caméra, quoi. On est limite sponsorisé par l'État. Macron, sponsorise-nous, s'il te plaît. Il a mis de la morphe sur ta fenêtre. Non, mais de toute façon, cette voiture, c'est sa chaîne maintenant. Il a clairement. Enfin, c'est ironique parce que c'est un chien pas invité. Moi, j'ai trop des barres. Du coup, t'as pas écouté Super M? Non. Mets un pouce bleu, partage la vidéo, commente la vidéo. J'ai raté ma rime, mais vas-y, je t'emmerde. Eh, hey, vous êtes trop méchants, voilà. Ah oui, c'est pas trop une danse, c'est pas trop gentleman un peu de la danse. Ça va trop bien, gentleman.
Ah, c'est toi lui? C'est toi qui l'as touché, ouais, pour qu'il fasse ça, non? Non. Ah, c'est horrible comme sensation, putain. Put your hands in the air, let me see you bounce. Arrête-toi, je te vois. Bon, regarde ce qu'ils ont fait, ils ont fait une fleur avec le logo McDo. Sur le carton, t'as vu, ils ont fait une fleur avec le logo McDo. C'est des génies. On a vraiment une vie de merde hein, pour juger un... juger un carton avec le logo McDo. Oh. Bon, c'est très bien, mon chien. C'est bien, mon chien. Ça, c'est très bien quand il est comme ça. Ça, c'est... Oh, c'est pas bien, Kenny, hein, dis donc. Ça, c'est un bon chien. Il est en train de sortir de la voiture, limite, mais... t'es obligé de sortir de la voiture pour le caresser, lui, dis donc. Bah... T'es vraiment une bouffonne. Comment tu veux que j'ai peur en faisant un ben ah. Le plus drôle, c'est que j'ai une collègue que j'appelle maman, tu vois, parce qu'elle a l'âge de maman et je rigole avec ça avec elle. Une fois, j'ai pris maman au téléphone, la note maman, et l'autre elle dit oui. Et là, je dis non, mais pas toi, l'autre. Bah, vrai, du coup. Elle m'a accepté, nice. J'aime être riche. Mais tu seras pauvre bientôt. Oh putain, que ouais. Je vais vivre comme un clodo, mais c'est dans un bon appart. Ça fait 26 minutes qu'on parle. Ouais, enfin que tu parles, hein, parce que concrètement, t'essaies de me voler ma chaîne vu que t'arrêtes pas de parler. Hein? La pire réaction. Mais comment vous m'avez trouvé? Putain, on va avoir deux sacs. Je prends tout sur toi, hein, je te rappelle. Hein. Bah, je peux pas tout manger alors? Tu peux fermer ta gueule par contre. Mais... Regarde-le là. Il se bloque l'oreille contre la ceinture et tout, il s'en fout, voilà. Si j'ai une voiture automatique, genre que Kenny se mette à ma place et que les gens ils croient que c'est lui qui commande, ça serait trop drôle ça. Merci. Merci. Tiens, prends ça, allez, vite. Fais gaffe, il y a le coca, faut pas qu'il se renverse. Ah, ça c'est à toi, ça, clairement. Oh, ça sent trop bon. Oh, cette odeur de frites froides. Et commence pas à manger. Oh, elle casse mes rituels. Mais j'ai faim. Mais je m'en bats les couilles. Il y a des traditions dans des vidéos en voiture. Et ça tombe. C'était quoi? Le micro. Bah, je sais pas, c'était quoi? Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai, bah, c'est pour ça que je t'ai demandé. Non, mais en fait, t'as paniqué en disant ça. Bah, j'avais peur que ce soit mon téléphone, un truc comme ça, mais je savais pas ce que c'était. Ah oui, le cri que t'avais fait là, oh là là, c'était magique. De quoi? Dans la dernière vidéo, tu veux dire? Ouais. La vidéo ensemble, ouais. Tu cries comme ça d'habitude? Flashback. Oh, bah oh, j'ai cru que c'était... j'ai cru que c'était un verre. C'est quoi ce cri? C'est pas moi, c'est... Cliquez quelque part sur l'écran pour voir la vidéo, t'as vu, soutiens la famille. On est bientôt arrivé. Ouais. Putain, hey, c'est vraiment une crevarde, elle est... T'es vraiment une sœur Michto, toi, t'es vraiment juste là pour le McDo, toi, en fait. Entre autres. J'aime le chien, comment il dort, mais il se cale la tête contre ton fauteuil, là. On le voit plus du tout, mais il est... Bah là, on le revoit, voilà. En fait, quand tu parles, il se réveille. Donc tais-toi. Ah, ne me frappe plus. Ça fait longtemps que je t'avais pas autant enchaîné des coups, dis donc. En plus, ça sent que c'est encore chaud, non? Bah ouais, j'ai les cuisses en feu là, actuellement. J'ai les cuisses en feu. Du coup, t'allais dire, j'ai les écus. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle? Ah, bah oui, c'est vrai, c'est ici qu'on a acheté les nuggets de la dernière vidéo. Flashback. Voilà. Oh merde. Ah, non, 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 non. Attendez, monsieur. Attendez. Soleil devant, comme ça, on sera bien éclairci. On a même pas... T'as mangé une frite, hein. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Let's degustate it some McDonald's. Ah, d'accord, je me disais, il y avait un sac plus léger que l'autre, c'est parce qu'ils ont séparé les trucs. Maintenant que tu remarques... Wow. Tu vas te calmer, hein. Je le répète une dernière fois, il va manger un peu Kenny, mais ce sera des petites bouchées. Ça va pas influencer quoi que ce soit chez lui. Et nous, des grosses bouchées. Et nous, on va bien graisser mort, ok. Bon, comment tu commences par burger ou frites, toi? Les deux. Je mélange toujours les deux en mangeant. Oh. Je mange un peu de frites et après je prends un burger, après un peu de frites. Tu vas te manger une droite là pour Dommage, y a pas de patates. Oh, aïe, aïe. Bon, désolé, on a dû changer d'endroit parce que tout simplement la canne a surchauffé. Ah, ça fait plaisir. Donc je me suis mis à l'ombre, je me suis garé comme une merde. Il y a un arbre juste devant. C'est le seul arbre, c'est pas une place de parking, mais on gêne un peu, mais on est là au studio. Et le temps comme ça, la caméra elle surchauffe plus. Mangeons. L'autre il met sa tête sur moi comme un Pikachu, dis donc. Ah ouais, toi tu manges direct, toi, genre la miniature, non? Ah oui. Allez, bon appétit, Zer. Tu as une anecdote? C'est la première fois que je mange un McChicken. Mange. Oh, il était tellement attentionné. T'as tellement été gentil, tiens, je te redonne un autre morceau. T'en auras plus d'ici. C'est ça. Tiens, un gros morceau, Kenny. Mange. Oh le bâtard. Ah, du bon coca au goût de carton, j'adore ça. C'est du co-carton. Ah, mais tout le monde vient maintenant. Ouais. Vous savez, vous venez du McDo? Non, mais j'ai pas mangé le burger, je l'ai avalé à ce niveau-là. T'as vu comment il est parti vite? Ouais, t'avais une grosse bouche, mais quand même. Une grosse bouche? Ah, oh, t'es mal, bâtard, il a fait quoi? Il a pas vu. Mais wesh. Mange. Et prends le nugget avec, non? Au lieu de manger juste le pain. On n'a pas des bonnes activités entre frères et sœurs et chiens? Bah ouais.
Mais le temps que je veux mon burger là. N'oubliez pas Team Mayo, hein. Si vous êtes Team Ketchup, vous n'avez pas de race. Donne la pâte. Non, donne la pâte d'abord. Oui. C'est bien mon chien. Ah, oh, bâtard. C'est bien mon chien. Tu baves, mais c'est bien. Tu manges lentement, toi, putain. Le savour. Le savour, ah, quel beauf là. C'est quoi ça là? Putain, mais les frites, c'est tellement ma putain de vie. Alors que les frites McDo, c'est pas ouf. J'adore les frites. Tu les dévorais tellement rapidement avant. Je les endévore. Ah bah non, tu regardes pas MHA toi. Tu regardes pas My Hero Academia, c'est honteux. Là, tous ceux qui regardent My Hero Academia, ils ont rigolé à ma blague. Ouais, tu prends des grosses bouchées, hein. Tu veux te manger une grosse droite salée? Mets ta patte sur mon épaule pour voir si j'arrive. Les deux pattes? Les deux pattes? Oh! C'est incroyable! C'était pas la bonne chose qu'il fallait faire, mais wow! Je te donne quand même. C'est... Oh, t'as vu, il a... Wesh, il a avalé la frite directement, elle était longue. Mange. Et il m'a... Ah bah dans le coin, ma bien sûr. Oh non! Il est tombé dans le fin fond du canapé, n'importe quoi. Du siège. Il est tombé au fin fond du siège. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a pué le fromage. Oh, et qu'est-ce qui m'arrive, moi? Ça a pué la frite, merde. Il a essayé de la récupérer, en plus, t'as vu, il a essayé de la regarder sous le truc. Bon bah, il y aura une frite perdue qui va pourrir dans mon canapé. J'ai quoi avec les canapés, moi? Ça, c'est à cause de l'emménagement, ça. Kenny, donne la pâte. Presque. On dirait qu'il fait des saluts nazis à chaque fois, mais vas-y. Je viens de faire un truc incroyable. Oui. J'avais une mini frite sur mon ventre. Sans faire exprès, j'ai tapé dedans, c'est re-rentré dans la boîte à frites. Ah. J'ai dit la boîte à frites. Même pas la barquette de frites, non, la boîte à frites. Ouh là, limite. Ah, c'est bon, hein. Il y a qu'un seul chien ici, et c'est pas moi. Oh là là. T'as plus faim? Si, mais j'aime bien te nourrir. Pense-y quand tu seras riche. Regardez-moi comment c'est pas du tout esthétique. C'est pour toi, ça, débile. Non, mais j'en veux pas. Non. Oh. C'est très bien, j'en mange pas. Bah non, j'avais pas. Ah, t'es pas mon frère. Non, non, t'es pas ma soeur. Pour pas manger de cacahuètes, t'es pas ma soeur. C'est ça la vraie nuance. Regarde, je prends un truc et je vois ça. Oh. Tu la veux? C'est une giga potato dans un petit truc de fruits quand même. Ouais. J'ai le goût de la glace donc. Bah, prends une frite et comme ça t'auras une frite dans le goût. J'ai compris ta phrase, mais c'est tellement con. Allez, bouge-toi. Putain, on a même plus le choix là. Des glaces aux nuggets Des glaces potato, j'adore. Oh, je vais faire un truc. En vrai, de vrai. En vrai, je suis sûr que c'est grave bon. Expérience sociale. Premier McFlurry nugget. McFlurry potato, pardon. Et bah, je comprends pourquoi ça n'existe pas pour de vrai. Mais arrête, bref. C'est bon, calme-toi, elle a rigolé pendant 16 ans, là. C'est quoi, cette demeurée? Arrête, wesh. T'as fou rire pour rien, là. Ah, t'as rigolé. C'est toi qui rigole, frère. C'est moi, c'est toi qui rigole, c'est moi qui dois arrêter. Est-ce que tu me perds? T'as vu comment il est attentionné? Il y a un chien au bureau, quand je lui donne à bouffer, il me mord la main avec à chaque fois. Dis une blague et non, je t'aime plus. C'est bien. Allez. Je pensais que j'emmenais ma soeur pour une demeurée. J'ai rien d'y penser, mais quand on était au McDrive tout à l'heure, c'était la première fois que les gens ils réagissaient pas au chien, genre ils ont trouvé ça normal. Il m'a laissé la main. Oh, regarde son museau, il a de la glace. Pistache. Je te mets pas la pression, mais grouille-toi. Hein. Allez! Donc, on en a parlé très rapidement avec Mélanie tout à l'heure, on vous en a parlé. Je suis en train de rechercher un appart. Je sais pas si Kenny viendra avec moi, ça sera sûrement pas. Je vais sûrement le laisser avec les parents parce que c'est un autre plus grand endroit et il y aura toujours quelqu'un avec lui. Je préfère que ce soit comme ça. Il viendra de temps en temps. Il viendra de temps en temps, oui, mais évidemment. Je pourrais faire une vidéo genre notre ski découvre son nouvel appart. Ce sera le mien. Et surtout, ça va me coûter très trop cher. Hein. Trop cher. Hein. S'il vous plaît, les potes, soutenez-moi et partagez les vidéos, tout ça. Ça peut paraître con, mais un simple like ou un simple partage, ça peut m'aider tellement. Il y en a qui se plaignent que ouais, tu fais ça que pour l'argent. Oui, mais enfin, tu sais, les gens qui se plaignent que tu fais ça pour les vidéos pour l'argent, ça se voit, ils n'ont pas de crédit ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas de problème dans leur vie. Ça, c'est les mecs, leurs parents leur donnent des 100 balles d'argent de poche et ils osent te juger les autres. Là, on nous voit, on mange McDo dans une belle voiture. Dans une voiture. Ils pensent qu'on est bien, on est aisé. Mais moi, je le serai plus pour très longtemps, aisé, moi. Ouais, t'as voulu déménager, hein. Ouais, mais je vais avoir 26 ans, il faut devenir un adulte. Je suis dans la à 25 merde. Ans, c'est bien tard, voyons. Et lui qui me baffe dessus. Tu me chies dessus et lui me baffe dessus, c'est quoi ça? C'est bien mon chien. J'aime bien la voiture. Le combo de couleurs est génial. C'est génial.
Par contre, tu sais quoi, je le verrai plus en chaussures. Ah, ok. Mais tu pensais à quoi, toi? Je pensais que tu la comparais à une chaussure. Une chaussure roulante. Un roller. Mais regarde, c'est la tête, il est comme ça. Ah, bah il est timide, hein, normal. Eh, mais. Je savais que t'allais avoir peur. C'est un réflexe si je te fais ça. En fait, si je te fais vraiment, je te fais vraiment. Oui. Non, plus jamais je parle de cul aux parents. T'as déjà parlé de cul aux parents? Mais c'est eux qui m'en parlent, tu vois. Ah. Mais tu sais, genre, les premières fois que je chantais avec l'autre, là, bah, on faisait du bruit, tu vois, normal. Et genre, en mode, un jour, papa, il m'a dit, viens voir dans la chambre, s'il te plaît. Il m'a enfermé dans son chambre, il m'a dit, quand tu fais l'amour, fais moins de bruit. Fais moins de bruit, il m'a dit. Il y a moi, il y a ta mère, il y a ta sœur, mais il y a aussi les voisins. Quand il m'a dit ça, il avait fermé la porte à clé. Hein. Moi j'étais là genre, je veux sortir de là s'il te plaît papa, arrête. Tiens. Non mais jette ça, mais t'es con ou quoi? Ah, tu veux lécher? Pas moi, le chien. Tu veux lécher le chien? T'es dégueulasse toi. Mais non. Mais il est trop mignon quand il échouille. Regardez-moi sa tête. Oh oui. C'est bien propre après. Oui, si ça va. Il m'énerve, lui. Enfin, il est trop beau. Repose ça et va jeter les trucs, s'il te plaît. On peut jeter à la maison, s'il te plaît? Non. Y'a la poubelle là? Qu'est-ce que tu parles? S'il te plaît. Bon, je me rapproche de la poubelle, ça te va? Allez, fais vite, y'a le mec qui commence à se coucher, bizarre là. Allez, salut hein. Elle a eu peur pour de vrai. Let's go back home, bitch. T'es content? Elle va se calmer la rombière là. Ça se voit qu'on est mort. On parle plus du tout, on a mangé, on a marché, on a... Toi t'as couru en plus, enfin... Oh là là, quelle journée. What a day. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le chien, comment il est mort derrière toi là. Il tient plus. Ah ouais, il est à deux doigts de s'évanouir et de vomir dessus. Oh, ce serait tellement drôle qu'il te vomisse sur l'épaule. Je me nettoierais. Ah bah putain, s'il faut inventer un verre pour que tu fasses quelque chose, on est dans la merde hein. Papa. Cabord, le feu n'est la vitesse. Tu connais que la première phrase, toi? Yes. Voilà. T'as une enfance, mais une enfance ratée à la fois aussi. Oh, juste le regarder, ça me fatigue. Attends, ça te fatigue. On a parlé en même temps, là. Ça, toi, aimé? C'est beau, mais c'est le quartier que j'aime pas. Robot Boy. Robot Boy, t'as dit? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai parlé comme un Robot Boy. T'as pas regardé? Bah si, mais t'es conne. Putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cru qu'il avait un slip sur la tête lui. Bizarre. Mais t'as quoi avec les slips aujourd'hui? Je sais pas. C'est la même voiture que moi, mais en salle et quoi? Ouais, ça va, la bagarre. Tu veux parler français, frère? La maison là-bas, j'aime bien. Genre en briques. Mais cette rue, elle est très très bien. Le problème, c'est que c'est vachement éloigné de la gare, je trouve. Là, je vais faire l'effort, je vais faire l'outro. Likez, commentez, partagez. Description, il y a la boutique. Soutenez la chaîne, achetez des trucs pour vous, ça fait plaisir. Lien dans la description, réseaux sociaux. Abonne-toi, cloche. J'ai dit abonne-toi, cloche. À la prochaine. Derrière, ma fouille, chacun son tour.